Bonjour à tous, c'est Photo Vidéo Film 1979. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est Photo Vidéo Film 1979. Je reviens d'ici ce soir pour vous, je vais répondre à vos questions. J'ai une question de la grenouille d'un certain Michel qui me dit bonjour Photo Vidéo Film, quand vous revenez en inédit. Alors je reviens en inédit ce soir. T'as la Hitech 80, la Hitech 100 et la Hitech, donc la 100 qui est arrivée et la 100, mais voilà, je peux enlever l'autre, ça va enlever plus tard. Et tu as la Hitech 100 qui est en train de s'apporter sur ma chaîne YouTube, qui sera disponible ce soir. Pourquoi j'ai gardé les chiffres? Je vais vous expliquer pour une seule et bonne raison. C'est que j'ai réfléchi à toute la nuit hier, un peu tout le temps, à essayer de garder vos chiffres, que vous savez, les chiffres qu'on a. Mais le problème des chiffres, c'est que c'est pas évident. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les chiffres. Donc vous avez, à partir de maintenant, ça sera plus 99, 98, 14, 15. Ça sera Hitech 80, Hitech 100. Donc on est passé jusqu'à la 101. Donc il reste la 102, 103 qui arrive samedi. Si je suis là, et dimanche, si je suis là, la 100... la 104 et la 105 qui arriveront sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai une réponse de David. Donc David Imsers qui rappelle qu'il fait ses vidéos, donc je le rappelle pour, voilà, je fais une petite dédicace. Je vous rappelle que David Fury, lui, assure ses vidéos tous les week-ends. Donc n'hésitez pas, si vous êtes abonné à ma chaîne, d'aller voir aussi sur David Fury, David Fury Imsers, ça lui fera très plaisir. Lui travaille pour des pubs de batterie. Voilà. J'ai Romain Le... vous poser une question, est-ce que Romain Le Farceur et Photo Vidéo Film 1979 vous serez associés? En principe, on serait associés à la rentrée, c'est prévu. Le problème de l'association entre Romain Le Farceur et moi, c'est que lui, il donne plus trop de nouvelles, j'ai plus de nouvelles. Donc le problème, je ne vais pas vous dire si oui ou non il reviendra en inédit. La semaine, la rentrée, je le dis sur les réseaux sociaux, je suis vraiment désolé de le dire. Mais voilà, ça garde un espoir. J'ai sa chaîne YouTube, je pourrais faire des vidéos. Je peux même pas faire de vidéos comme lui, parce que j'ai pas de blague, je sais pas faire de blague. Donc on verra ça là. J'ai une question d'un Quentin Euric, qui revient sur mon Twitter, qui me dit j'adore tes vidéos. Il en a, ça fait bizarre de m'en avoir ce week-end. Alors, oui, je vous rappelle que c'était un week-end de 3 jours. Donc je suis parti samedi, dimanche j'étais en Vendée, et je suis revenu lundi soir tard. Pourquoi j'en ai mis hier et aujourd'hui? C'est parce que je me rattrape et j'avais vu que vous partiez des abonnés qui se désabonnent, qui restent sur Twitter, Insta et page Facebook, mais qui vont sur ma chaîne YouTube. Donc j'anticipe tout. Je vous fais des vidéos, je vais faire des réponses questions le plus possible là, pour essayer de gagner des abonnés. Si je suis là ce week-end, je vais faire des réponses questions, je vais essayer de faire ça, questions-réponses plutôt. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker ma page, n'hésitez pas à faire du bouche à oreille, ou dire par exemple à vos grands-parents, ah, il y a Photo Vidéo Film 1979 qui répond à ces questions, qui fait, voilà, donc vous pouvez voir, voilà, bouche à oreille, comme on dit, vous pouvez faire, voilà, le plus possible pour moi, voilà. Mais on est quand même à 92 abonnés, donc ça veut dire qu'on a battu Romain Le Farceur, on a battu les Fermiers du Rhône, on a battu David Fury. Donc au niveau des abonnés, on les a battus, mais ça veut pas dire que, évidemment, j'ai gagné le pactole. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait se dire que on dit n'importe quoi, le fameux bureau décide de faire plus de live que moi. Ces lives marchent mieux. Les gens qui sont sur notre chaîne YouTube, la mienne, ils peuvent se désabonner et passer sur les fermiers du Rhône. Voilà. Grâce à moi, le fermier du Rhône arrive à obtenir des abonnés. Il était à 11 abonnés. Je me suis abonné moi avec mes deux chaînes, perso et professionnel. J'ai d'autres gens qui sont abonnés. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker ma page, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des musiques dans les vidéos. Là, j'ai pas mis de musique dans mes vidéos, je vous préviens tout de suite parce que c'est des tutos très importants pour des gens qui n'arrivent pas à installer des applications comme Skype, comme Twitter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'ai pas mis de musique sur les deux vidéos que j'ai mis aujourd'hui pour pas être embêté. Pas être embêté parce que à la fois je peux me faire embêter tout. Alors sur quoi je fais mes vidéos? Sur quoi je fais mes vidéos? Je fais mes vidéos sur ça. Sur un ordinateur. Mon ordinateur qui marche toujours. Mon ordinateur Apple. Donc si vous avez un, voilà. Sur Apple, que vous avez vu. Je peux vous montrer si vous voulez. Voilà, je vous montre. Et mon Twitter. Voilà, vous avez vu sur quoi je travaille. J'ai un ordinateur, vous avez vu, j'ai un deuxième ordinateur, c'est mon ordinateur Windows, je fais plus de montage dessus, c'est terminé, c'est sur celui-là.
Petit PC, oui, un MacBook Air que j'ai eu à Noël, que j'ai eu pour m'offrir. Voilà. Donc j'ai un Romain qui me dit, j'adore tes vidéos. Est-ce que Romain Lefarceur va revenir en inédit? Alors Romain Schumacher, bonjour à toi. Bienvenue à toi si tu nous rejoins sur l'antenne. Non, Romain Lefarceur ne donne plus de nouvelles. Je peux pas faire ses vidéos à sa place. Moi je ne suis pas blagueur, ni farceur, ce que vous voulez, voilà. Que ce soit blagueur ou farceur sur les deux chaînes YouTube qu'il a, je ne peux pas faire comme lui. Moi, je travaille pas pour des blagues. Je sais faire des blagues, mais mes blagues sont moins drôles que lui. Donc, on va attendre. Ce que je vous disais, on va attendre. En fonction de ça, il va peut-être revenir en inédit. Je ne sais pas s'il va revenir en inédit. On attend. Mais voilà, on attend. On attend toujours. Je dis qu'on attend toujours, mais c'est qu'on attend toujours un peu. S'il revient en inédit, je peux pas vous dire ça tout de suite. Il va peut-être me recontacter bientôt. J'ai pas eu de message, il m'appelle même plus, son numéro marche plus. Voilà, je vous passe des détails. Voilà. Par contre, j'ai le fermier du Rhône, on vient dans 2 semaines. Donc c'est parce que je suis pas sûr de ce que je fais, mais il y aura peut-être un soir, on fera un live sur Facebook ou Skype, on verra. Et du coup, on invite les gens à, si c'est sur Facebook, à aller sur Facebook. Donc si vous m'avez un ami ou vous avez voilà, le mec des fermiers du Rhône, vous pourrez évidemment rejoindre la ligne. Voilà, donc pour finir ce petit live, j'ai une Alexandra qui me dit j'aimerais bien me réabonner mais j'y arrive pas. Alors sur quelle chaîne YouTube ça va pas, Alexandra? Sur photo vidéo film 1969, tu tapes dans ta barre de recherche photo vidéo film 1969. Et directement, tu tomberas sur ma chaîne YouTube. C'est un logo d'un Samsung Galaxy S7, S7 ou S8, je sais plus. Et dessus, tu t'abonnes. Et de toute façon, je le saurai si tu t'es abonné. Parce que je ne le saurais pas, mais là, je suis à 92. Mais si tu t'abonnes, les gens, je sais quand on s'abonne parce que je le vois. Là, aujourd'hui, j'ai gagné un abonné. J'ai regagné 92 abonnés. Parce que j'ai dit à quelqu'un de s'abonner à ma chaîne parce qu'elle aimait bien pour qu'elle voit mes vidéos. Et elle trouve ça bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur vite fait, sur comment ça s'appelle, réponse question. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez, si ça vous vient après. J'en ferai la réponse question dans la semaine, en fin de semaine. Et les vidéos, je vous rappelle qu'elles sont disponibles. Regardez si ma vidéo que je vous parlais tout à l'heure est en train d'arriver. Donc je vais regarder. On est à 66%. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto. La vidéo que je viens de faire là arrivera dans la soirée. Non, mais je rigole pas dans la soirée. Parce que j'ai encore un autre montage à faire. Et ça arrivera. N'hésitez pas à liker mes autres réponses, questions. Et puis n'hésitez pas à faire du bouche à oreille. Bonne soirée à vous. N'hésitez pas à vous abonner à mes comptes sur les réseaux sociaux.